Monsieur Dame Tangle Cookie. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcy Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, des vestes cérémoniales et des bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillements des grandes dames, des chaussures basket, perpète et mocassins hommes et dames. Arcy Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcy Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcy Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcy Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcy Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcy Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcy Style de Rêve, c'est la classe. Merci, Nabino Mansouzou, l'Andabiso de partout. Chers compatriotes, nous sommes les infatigables. Ah oui, Edem TV officiel, c'est votre chaîne. Une chaîne d'analyse, une chaîne qui donne des points de vue, une chaîne qui donne des suggestions, une chaîne qui critique positivement toutes les actions, une chaîne qui soutient toutes les actions allant dans le sens il y a bien-être et il y a peuple congolais. Raison pour laquelle nous disons et nous confirmons toujours que nous soutenons le président de la République, Félix Tshisekedi de Tshilombo, étant institution, la première qui donne le courage, la première qui donne le punch à toutes les institutions du pays pour Essalema. L'unique et la seule qui a les droits et arbitrage, l'unique et la seule qui trouve des solutions dans l'institution sur ce qui est allé à l'école. Et inspiration dans le Utiwapi, article 69. Garant un bon fonctionnement des institutions. Donc, il y a ceux qui ont dit qu'au Tambo, il y a des gens qui sont dit qu'au Tambo. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là. Chers compatriotes, le régime Kabila, malédiction pour le peuple congolais et défi pour Félix Tshisekedi. Est-ce que vous me comprenez? Régime Kabila, malédiction pour le peuple congolais et le Congo. Défi majeur pour Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et vous allez suivre également un extrait où ils ont tamboula, où ils ont panzané partout. Il y a mon amboka Christian Bosembe, na Israël Moutombo Sango Mokonzi. Où Christian Bosembe Zali Kolobe la sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi à l'an des missions Oyote. Alanda makambo wana te soki alanda ki yango alanda de sosute. Na kuchia yango na katikati ya emission. Mebo yebi sakatumbi alanda te. Oya kolanda. Wale talinga ite. Chers Congolais, nous sommes là pour vous informer. De père et de mère. Original. Toza awa, pour na kosa la réflexion. Calmement, tête froide. Bah tu vas comprendre bisona na pourquoi lelo. Tozo ça la réflexion na pokwa lelo, bah tu vas comprendre biso. Réflexion to ali ko ça la lelo, ezali na sens ya que bah tu baye ba bisika to uti, bisika to ali na bisika to ali ko kende. C'est ça la politique. Notre pays est connaître ba cycle. Notre pays ezala ki na état indépendant. Toza ki na Léopold II. To lungwe Léopold II. Makambo toko retenir na Léopold II, c'est-à-dire exploitation ya Congo. Léopold II a exploité le Congo comme il voulait. Makambo toko retenir les sous na Léopold II na batunaye,
Natango tozalaki soukna na colonisation et zalaki population congolaise. Au produire caoutchouc te na mokuse bakati o loboko. Sous la colonisation. Pas question y a respect y a droit de l'homme. La personne oyo batelemi laki makambo nyonso wana ezalaki Kasavubu, Lumumba et consorts na bato mosusu bazalaka ebele. Na makambo ya indépendance bato bazalaka ebele. Mais babimisa mingira Kasavubu na Lumumba. Ça, c'est, on doit se dire de vérité. En tout cas, dans ma matière d'indépendance, il y a Congo, il y a beaucoup d'acteurs au Kotaka en danse pour la Makambouana. Ba dirigé pendant un temps. Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Oazabanga Aye. A dirigé pendant un temps. On a zolo ba o ezapo Jean-Marie Kasamba JMK est passé na Bosolo pour dire que les Congolais aujourd'hui cherchent ou souhaitent ou veulent le retour de Joseph Kabila aux affaires. Chose que je vais démontrer ici en disant que c'est faux et archi faux. Et ceux qui sont congolais, le retour de Joseph Kabila aux affaires, réellement, ils sont congolais. Ah oui, il faut que tous des pères et des mères, ils sont rwandais de pères et des mères, ils sont burundais de pères et des mères, ils sont tanzaniens de pères et des mères. Pour ne pas dire Bazambien des pères et des mères. Hein? Bazambien des pères et des mères. Pour ne pas dire Bazambien des pères et des mères. Oui. Pour ne pas dire Bazambien des pères et des mères. Je vais insister même pour vous. Non, pour ne pas dire Bazambien des pères et des mères. Ok. Oui, oui. Hein? Bazambien des pères et des mères. Alors, Mobutu a dirigé ce pays. Mobutu a dirigé ce pays. Mobutu nous a laissé ce que nous appelons l'intégration administrative. Mobutu nous a donné l'armée. Sous Mobutu, on avait une armée. Armée capable d'aller Kobunda Nabambo Kamosus. Eye n'a pas de résultat. Est-ce que tu sais ça? Sous Mobutu. Aujourd'hui, je parle politique dans plusieurs domaines également. Na gestion, na gouvernance, na régime, wana. Mobutu avait un régime qui était presque présidentialisme. Hein? Pourquoi? Parce qu'il était tout. Et à l'époque de Mobutu, nous étions dans le Kotobengi centralisation, concentrée même. Dans une centralisation concentrée, les gouverneurs étaient nommés par lui-même, pour bien dire. Le ministre y a intérêt, Bazaki Wanape, Bazaki Makamonyo, Soana, Kusala Makamoni Balingaki. Les Congo avaient un niveau de vie sous Mobutu. Sous Mobutu, il y avait des gens qui travaillaient, qui se nourrissaient et vraiment peine à salaire na bangoa. Sous Mobutu. À une certaine époque, batouana baye ko vie ko banda ko beba. Corruption et bandi ko ya makasi, détournement et bandi ko ya, ba tuerie pe et bandi ko ya, les arrestations arbitraires, civil a commis bilanga ya policier, civil a commis bilanga. Il y a policiers, il y a des gendarmes. Sous Mobutu, on n'appelait pas des policiers, on appelait des gendarmes. Et civil à Kumbi Langaba militaire, Mobutu avait un nom en Afrique. Tu vois Kagame ici. Kagame ne pouvait pas tenir tête devant Mobutu. Kagame venait auprès de Mobutu demander conseil et sagesse. Ah oui, mais Mobutu est à Zaki n'importe qui était. On a qu'on appelle Zaki là-bas. Tu es belé là, n'amboka la baron, n'amboka la baron, n'amboka la baron, n'amboka la baron, Mobutu, babande ko bundisae. Bato ba bundisi, Mobutu mingi. C'est toujours de Kagame ici na Museveni et les autres. Bato ba bundisi, mais Mobutu, bazana pour ça, il faut y attendre. Bato ba kenda ko zwa muse, bato anat. Bazwi muse, ba bundisi, Mobutu, bon Mobutu ake. N'akobeta ma solo mingi ya Mobutu, te muse aye. Madame Père Laurent Désiré Kabila, la robe tango makasi mingi te, puisque toujours le bel Joseph Kabila, hein, au bas toi ça la pose à zonga na pouvoir. Nous allons parler de sa gestion, te faire comprendre bah tout qui il a été. Joseph Kabila est là. Pourquoi nous avons intitulé notre émission aujourd'hui, ou d'aujourd'hui ou de ce soir, régime Joseph Kabila? Malédiction pour le peuple congolais, pour le Congo. Sous le régime de Joseph Kabila, tout le monde
qui travaillaient dans le gouvernement ou la présidence, il y a Joseph Kabila, était un intouchable. Mm. Tu comprends? Mm. Un intouchable. Et le quoi, Liboso? Et le quoi, Mibale, Joseph Kabila lui-même avait un leadership qui était totalement absent et faible. Mm. Sous Joseph Kabila, la RDC, je ne sais pas quel contrat Oyo Ake a signé et épaissi bonheur na peuple. N'aie bien goûté. Contrat au président Joseph Ake a signé à Zongi Pialobi na population et PCP bonheur na peuple bon habité. Puisque la plupart des contrats au Bango ba signé. Aujourd'hui, toujours découvrir que c'est un contrat léonais. Des contrats qui allaient toujours na intérêt na yé ya classe politique mon boyé et non ya peuple congolais. Chômage sous Joseph Kabila du fait que ma contrat est até misala malongate. Chômage sous Joseph Kabila sous le régime Kabila, on peut parler na taux ya 97 93% de chômage. Et le reste, oh, bah, tu vas dire que misala, on a longoli, bah, on a chômage, on a 99% de chômage. Bah, tu vas dire que misala, on a vivre malam. Et ça, les bananes, bah, ministre, bah, DG, bah, pasteur, bah, musicien, bah, footballeur, bah, tu vas, bah, jouir, na régime, y a Joseph Kabila. Bah, ça, bah, musicien, bah, pasteur, bah, footballeur, bah politicien et bah politicien Oya Kabila Hollandi. Tout ça pourquoi? Puisque le casting fait par Joseph Kabila n'était pas un casting qui était qui devrait répondre aux attentes du peuple congolais. Kabila était entouré dans Mutuneti Tambo Mwamba as un ministre de la justice. Tu penses qu'il pouvait initier Makambo Oyekuya pour transformer le pouvoir judiciaire? C'était vraiment pratiquement difficile. Tant mieux moi. Casting, il y a bateau, il y a régime, il y a Kabila. Casting. Bateau, il y a Kosa, la Moussa, la régime. Tant mieux moi. Ministre de la Justice. Asa qui n'a moralité ni. Asa qui n'a le lengue ni. Obin Minako, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a initié pour le bien-être du peuple? Loi Ona Kanga Makasi. Loi portant statut des anciens chefs d'État initié par Modeste Mutinga, modifié, gonflé en termes d'avantage par Robert Minako et Bruno Tshibala au détriment du peuple congolais. C'est cette loi qui donne à Kabila ration tombongo par mois, il y a 680 000 dollars. Tu vois? Sous le régime de Joseph Kabila, tout le monde voulait devenir professeur. Obin Minako, Aza, président de l'Assemblée nationale, il y a un temps matériel et ligne à Zalaki Nango pour qu'il ne soit pas bon, il n'y a pas de professeur. Et Zaki, il y a un diplôme de professeur, il y a politiquement organisé. Des diplômes de professeur politiquement organisés. Je ne me limite pas là. Natangi, Batu Belena, Boshab, un penseur qui était uniquement pour le système. Quelqu'un qui te parle de l'inanition et l'inanilité de la nation. Ou soit Bolingi nation Ezala, ou soit Bolingi constitution Ezala. Mais, il s'est dit, il y a des gens ensemble. Babimisa, ba terme, na ba théorie, à cause de Sakanate, na Mbokoy. C'est un régime qui a détruit le pouvoir judiciaire en Nyonso. Oui. Justice sous le régime de Joseph Kabila, ça n'a jamais existé. Et c'est là que justice, il y a Bango, au baso rendre pour na batou na Bango, pour affaiblir les uns au détriment des autres. C'était ça la justice sous Joseph Kabila. Et dans tout ça, lorsqu'il y a une justice qui est pire, qui n'était même pas sélective, une justice d'un camp, au détriment d'un autre. Puisque la justice sélective, c'est pour bien dire que Ezo c'est les mamalam. Mais pour Nabatou Mogoboy. Non, mais ça c'était une justice pour Nabatou Moussousou. Bazo utiliser le pouvoir judiciaire pour Nako fragiliser Batou.
nous sommes toujours sous le régime de Joseph Kabila. Casting, il y a un peu de temps à gérer. Il y a ce qui est le vieux à la Cour constitutionnelle. Luamba. Luamba. Avant de répondre, quand on a un dictat, il y a un peu de temps. Comment le pays pouvait aller de l'avant? Entre temps, on nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Enseignement en RDC, toujours par terre. Tout le professeur Bazalaki n'a pas perdu. Nanyakotang et sa science malamou na université. Tout le monde, je t'informe que Mukolo Oyo va pona Chadari comme candidat président. Et y a eu groupe y a professeur Nyon sur Ainikin. Baya va koutana na Sultani Hotel. Et moi j'étais là, comme journaliste. Bayoko portait main forte na bango na Chadari. Le professeur Bayeko Koutanana individu, Chadar, puisque c'est candidat président de la République. Cabinet à Kabila, il est toujours composé par professeur. Némi professeur, il y a Samba Kaputo, il y a eu. Et où Koufa, c'est qui? C'est qui encore? Le nom m'échappe. Toujours des professeurs. Mais solution, résultat. Médiocre. Le régime de Joseph Kabila toujours un régime de malédiction. Dans domaine par domaine, c'est quoi? Aux yeux enseignement par terre, pendant 18 ans, l'enseignant va foutre à Mamabe, Beko la Malongue, Zakana Kongote, Baba, Zakana Beko la Ngopete, système éducatif, Banda, Mundé, la Tiki, la Ibsoti, Lelo, Batika, la Koreformé, Angote. Un système éducatif qui n'a jamais mis l'accent sur l'exploitation de nos richesses. Comment exploiter nos richesses? Le système éducatif de la RDC n'a jamais mis l'accent sur ça. Comment exploiter nos richesses? Parce que nous avons des richesses. Mais comment les exploiter? Comment exploiter Makamonyo, Tozana, Yangwana, Poye, Komabozu, Malonga? Tout ça, pays à vocation agricole. Mais ITEA, Institut Technique d'Agriculture. Enseignement professionnel, wana ezaka négligé. Bango bazala bilo ko mususu. Na mboka na biso ezaka na maths physique, biologie chimie, peda, commercial, littéraire, tout ça la langonine. Ça nous apporte quoi? Tout ça Kabila n'a pas eu le temps ya ko tient accent sur bilo ko nous soana. Pendant 18 ans, mboka sa denine, ezongi na libulu. Tu vois? Pendant les 18 ans, ils ont un défi. Un défi, il y a le bosso pour Félix Tshisekedi. Il y a un mot qui a été la gratuité de l'enseignement. Comment améliorer et comment réformer? Et bien, comment tu as un point de système éducatif? Quel genre il y a cours où il faut retenir ça? Civisme, il y a un bosso et il y a par terre. Cours, il y a bomoto. Bomotologie, civisme. Et c'est la cas par terre. Bana bamuna nga bomo esebe. Bamuna nga bomo. Or bomoto ya Congolais, baboma ya ngonyonsu. Baboma bomoto ya Congolais. Na lungwe na enseignement wana. Ce qui passe na ki na enseignement, wana enseignement de base. Na ki na enseignement supérieur, bipa yo api mutu akatumbi ya zazoko azomuna minda. Bato akatumbi be fene ya na gouvernement. Bato akatumbi, bazomuna minda. Nzambe na ngai. Na li bazomo na minda, des gens qui ne comprennent absolument rien. Musala nyonso moyino nzangi aza ministre ya enseignement supérieur universitaire. Moyino nzangi banda aza bisika aza wana. Na pesa ba makamuna ko pesa pe ya yo. Banda aza bisika aza wana. Ya sinya ka ba diplome. Moyino nzangi. Pe azo contrôler ka makamba basi dabis. Yebisanga musala nini moyino nzangi azo sala boye bisanga ministre ya enseignement supérieur universitaire moyino nzangi fait quoi à part qu'on signe ba diplôme na makamba basi la bis et ba diplôme ngo azo signe ngweza combien et ce qui a signé ngo ici c'est que c'est lui ba c'est la bis ce qui Seigneur Jésus ba réforme autre que ça là aujourd'hui l'enfant peut quitter l'université aller na société azo yeba te a rebandela wapi a reçuke la wapi. On n'étudie pas l'université pour aller chercher du travail. Mais on étudie l'université, on fait l'université aussi pour aller créer aussi de l'emploi. Mais nos jeunes frères qui quittent l'université, tant qu'on a besoin, ils ont besoin de la nine.
Et ça peut bastaler pour Baba Kende Wapi. Ce sont des choses aujourd'hui. Oyo, et aussi les habits sont maillés, petozo y ba eloko ninte ya ko sala. Na suki wana te. Moyino zangi na lobi azomo na minda kuna. Moyino zangi. Na quel domaine ya na lungwa na domaine ya nani ya enseignement. Na quel domaine affaires étrangères sous Joseph Kabila, diplomatie nyonso par terre. Mboka ezana na diplomatie te. Donc ba na zomi tout na banda ko sala nini. Défi majeur au Félix Azo relevé le lot. Mais bah tout bas au monde a été. T'as la ligne. Le lot bah tout bas comme on sait la polémique n'a pas photo. Mais non pour ça la polémique n'a pas photo à Kabila. Kabila quand on photo n'a pas tenu soin. Kabila quand on a sommé n'a pas tenu soin. Tu vois comment Kabila était malheur pour le peuple congolais. Donc le pays n'était pas dirigé. Non. L'ingouvernabilité totale. Le lot ministre des Affaires étrangères. Il est là. Mouta Mayele Christophe Lutundula Mouta Katumbi Amonate Yukensimi Amonate Azakaboui. Mais tout c'est le boss lui-même qui fait. Mais la diplomatie c'est l'aide du chef Yemoko. Amonate. Mais tu sais que Bipaye Bisika Binso Fati Atamboli Aki Ndepe Kotambo la Bisika. On a pas ça la suivi. A comprendre le côté. C'est une nouvelle gestion. Ozomona, malédiction créée par le régime Kabila, défi majeur pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais en train de relever ça. Na pété nyoso. Wana kuta omona amone le côté. Nzoka affaires étrangères, oza wana pona côté kamboka. Tu fais ce qu'on appelle les touristes, le tourisme économique. Ozo tambola pona ko lakisa bato oyo bino bozana ngo. Les atouts sur le plan géographique. Les atouts sur le plan géographique pour leur dire nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Mais si vous venez par exemple investir chez nous, vous aurez ça comme gain, vous aurez ça comme atout. Si vous venez investir chez nous, vous aurez ça, 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 ça. Et biloko nyonso ata azo proposer ma partenaire. Ma partenaire va comme on a gain de cause pe bakoya. Ozomona. Oh Félix azo sala lelo. Etant Kabila na ébité. Et de dedans tant wa Kabila le gens ne pouvaient pas venir en RDC investir. Baba naki kobanga pour la nini puisqu'il n'y avait pas la sécurité juridique. Bazo banga bazomona ke ceux qui kuna toyé ko investir to kosuka wapi. Tu t'imagines Lazado m'a dit un jour. C'est une vidéo qui est passée sur notre chaîne. Je l'ai interviewé, Jean-Claude Gatende. Il y avait une société qui était venue ici pour investir. À tout niveau, pesanga compte, numéro bancaire, to viré mbongo. Il y a na niveau ya banque. Société ba ba représentant la société, baza na BCDC, ba vendi bazozela, ba pesa bango numéro compte bancaire, ba viré mbongo pour le compte de l'État. Non, baza na mboka na bango. Ba pesa ba mbo compte ba virer mbo ba bengi bango ba ibise bango ke ba processus bino bozo senga wana ekosimbate wana régime ya Kabila Némi directeur de cabinet ba ibise bango ke biloko bozo luka wana ekosimbate. Vous devez virer l'argent dans les comptes directement ya présidence. Donc compte ya pays c'est compte ya présidence. Régime Yakabi. Et cette société est boya koya awa pour nako investir. Eux ne voyaient pas l'intérêt du peuple congolais. Un régime de malédiction pour le peuple congolais. Ce régime-là ne voyait pas ça. Mais ce régime voyait plutôt l'intérêt na bango. Tant que vous avez un compte ya présidence, c'est que vous avez un compte ya nani. Kabila. C'est que vous avez un compte ya Kabila. Kabila n'était pas la caisse ou le trésor public. Confusion totale. Yabato bako ambimboka. Confusion totale. Tokosuka wana te. Na longoli lano ndeko wana. Na ke na nani. Bon na justice na lobango na lobela mwa mingi na lobango lelo te. Ozui économie. Ozui commerce extérieur. Na osangisa ngo. Ozui travail. Économie, commerce extérieur, climat d'affaires dans notre pays.
tous ces gens qui viennent ou qui sont venus en RDC investir, est-ce qu'ils bougeaient vraiment? Les gens sont venus en RDC investir tout en créant une concurrence déloyale. Et nous avons un gouvernement qui ne dit pas mot. Concurrence déloyale, c'est-à-dire quoi? Les gens qui sont des expatriés, nous les aimons bien. Mais ils sont venus investir chez nous. Ils sont même dans le petit commerce et dans les détails. C'est interdit par la loi. Comment maman Azobi Mananda Konaya Oti Kingasani, à côté d'un magasin chinois, à Sombi Biloko, à Bimi Libanda Poateka, prix Oyache Libanda Wana, et l'Ikolo, pour le prix Oyo Chinois Oti Kinakati, mais dans le détail de sous. Et ba chinois va envahir qui chasse mon bimba. Ba sali ba magasin na ba on ba commune nyonso na ba coin d'avenir belé ba sali ba magasin na bango. Entre temps le peuple azana kati ya secteur privé informel a ko s'en sortir ndenge nini. O moni ba to ba lungo ko na ba koti na maléo. Chinois le bozel le bana ye. A sali bango shawarma même ya 3000 francs. Namikate ya baba. Namikate. Bazo kalinga. Et congolais le kola to kino le kola zaka mutu ya spe. Hein? A kota bisika na chérie na ye. Ya vie. A stafé. A kota bisika za propre. A kobo ya mama mwilu o ya coin. A kota bisika propre. Ba kote ka en détail on ne refuse pas. Mais pas na même prix. Ceux qui chinois ont été en détail et qui étrangers ont été en détail, mais bien que le bibo, ceux qui ont été en détail, et les gens qui ont été en détail, ils ont été en détail, ils ont été en détail, ils ont été en détail, et qu'ils ont payé sa prix initial, mais ceux qui ont été en détail, et qui ont été en détail, ils ont payé sa prix, 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 ils ont payé nos inspecteurs dans ces pays. Il y a travail, il y a économie. Ça, les gens, ça, là, wana. Et ça qui passe, bilanga na bango. Pourquoi? Puisque, bah, chinois, bendien, bah, libanais, bango, tout, bah, n'a pas dépendre de la présidence. Et présidence, en gros, ce n'est pas même Kabila. C'est les conseillers, il y a Kabila. C'est les directeurs de cabinet, il y a Kabila. C'est ceci, il y a Kabila. C'est homme fort, il y a Kabila. Et c'est fini. Vous imaginez, bah, tout, bah, côté, Albert Yuma. Azomi Benga, président. Il y a FEC. Boké bo sombi chinchar na $3. Mais ah ouais, boté kiawana $60. Qu'est-ce que vous avez payé? Nini. Bako expliquer biso bisika $57 et outi. Talandenge batou ba bénéficier na mikongo ya peuple. Nous sommes un pays où batou tout ba yaki ko investir dans notre pays sous le régime de Joseph Kabila. Ba coloniser peuple congolais ba simbié na zolo ba binelé likolo zolo ba kangié monoko ba salignon so ba torturer. Ce que nous avons vécu sous Joseph Kabila est comparable à la vie en 1960 avant l'indépendance sous Léopoldé. Puisque kuna ce qui produire té ba kokata loboko sous Joseph Kabila na ba indien na ba chinois ce qui produire té akobeta yo a fingi mama na yo a bimisu yo. Yo beta chinois, chinois beta congolais. Ako beta yo abimi si. Et oyo simi chinois, azuka ka téléphone, général Akiti. Bakangi yo, bakipe ba beti yo réglementaire. Chinois yo travaille a tcheka chine. Aza na condition ya kozona pose allié bien. Mais yo moutou zo salam salam akase kole kaye wana. Tu n'as rien. Ce qui yo kole aza li pana mwa mbana sucre bazo kote se la oboye. Et ceux qui ont tant de livrer les marchandises, ceux qui ont mis les marchandises, ils sont bêtes. Il y a des Congolais qui vous travaillent dans des supermarchés. Banda, Azaki, on a depuis Tongo. 19h, 20h, 21h. Akei. Ça, ce n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Tout à fait. Ça, c'est le régime de Joseph Kabila. Tous ces gens-là, protégés par Batouya Kabila. Batouya Kabila. Chinois na chinois zaki na général na ye. Libanais na libanais zaki na conseil na ye tambe mena Kabila. Aujourd'hui, autant le niveau ya régime ya Kabila, kika ya Barnabé za wapi? Mbangu.
asaleli carte visa donc akenda kana ko zambongo na trésor public de l'état na carte visa $50,000 chaque mois mutuneti oyo soki bana na ye baza baninga na yo oza mwana mukala ya bana na ye bakotinda yo na makamonyo so bango balingi et c'était toujours comme ça. Et aujourd'hui vous nous dites que Joseph Kabila azong po aya ko kombo la banda ko ya bato bakufa to aya ko kuna bibembana malam. Dernier point. Les arrestations. Les tortures. Mais non. On a été torturé, arrêté, prison et tonda. Batte belé bakenda na exil sous Joseph Kabila. Joseph Kabila s'est enrichi à sa entreprise, ba carré minier, ba magasin. Mais le Congo a pèsé yango ni entreprise publique ni entreprise mixte. Exacté. A pèsé yango ni bateau de pêche mais yazanango. A pèsé yango ni transport ya maiboy mais yazanango. A pèsé Congo ni train avion na yebité. A tikili Congo nini. Bazo yu sebiso ki atongi nzela. Kabila n'a pas construit des routes en RDC. Kabila a réhabilité des routes et agrandi des routes. Ba agrandir bandela. Pe ba tongi. Oh, atongi le biso. Ba boisa le biso ba boulevard. Est-ce que tant voyait vraiment? A mon appétit peuple qui n'a pas à qui n'a pas la balabala. A le bi raïs et tongi le biso boulevard. Non. Na Kinshasa, on peut ne pas avoir de boulevard ici. Mais réhabiliter la route, on a biso quand l'examen qui est mikiwana. Tu ne verras pas un motage dans Kinshasa. Kinshasa est la bandela. Olandi. Kinshasa que tu vois. On peut ne pas construire le boulevard à Kinshasa. Avoir uniquement route Kaya. Bande Kaya mi balé. Route Moko bande. Route Moko bande mi balé. Route Moko bande mi balé. Aller-retour. Tu verras qu'il n'y aura plus un motage dans cette ville. Puis c'est ma route secondaire. Et ça tellement ébellé. Ébellé, je te dis ébellé. Mais ils ont un état, nini. Et tout ce temps-là, tout ce que Kabila a pu faire, ils ont carrément retourné. Au fond, le boulevard, le 30 juin, boulevard Saint-Denis, boulevard Nini, Lumumba. Non, ça c'était nous tuer. Les enseignants, tu sais qu'ils ont un salaire, Nini. Oui, c'est qu'ils ont un salaire, Nini. La fonction publique congolaise, Kabila l'a détruite. Fonction publique congolaise. La fonction publique congolaise a un sérieux problème de bâtiment. Vétusté, bâtiment, meubles, la cadre. Et ils ont un spit de Mali, les Akate. Ils ont un ordinateur. Ils ont une machine, ils ont une pile, ils ont un bébé. Le ministère, on est belé. Le ministère est belé, ils ont une technicité. Le secrétaire général. Ma chef de bureau sont déjà abandonnés à leur triste sort. Mais bato bazala kana bozu na ba ministère ndeka Kabila tikela biso yango ezaka ministre na ba collaborateur na ye nde bazala na vie nde bango batambola na tapis rouge bango nde bazala na bureau climatisé bango nde bazala na internet na wifi. Ça c'est ce que Kabila nous a donné. Vous pensez ça c'est ça Kabila? La vie de nos militaires, c'est quelle vie? La plus médiocre, la plus aiguë. Ba militaire nous sur bazoko ma ben valide na liste ya batu ya Kabila. Kabila kuna innocent na mboko yo. Na kotala musala o Félix azo sala. Ce qui Kabila pesa ba na ko sala musala. Mbelatiki atiki paradis quand même. Pendant 18 ans sali. Mbelatiki eloko moko ya ke nene président Félix ayé avec cette volonté qu'il a to comme ko rivaliser ta l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui nous sommes à quel niveau? Regardez. Bouzoba na yenyon soyo, malédiction na yenyon soyo, incompétence na yenyon soyo. Nde défis ko présent Félix Azanango. Tala niveau azana passé na moto. Si ko vuna moto avant dit que tu sais que déjà a fait quoi? Ozan ndokité par hasard. Azo sala nini, ozan ndokité par hasard.
et mutongo azusa la bongo avant kula banda vandaki auti comme la bombe assis comme la bombe akomi robot en zela mutu na binoyo kongola koti si mutema mabe na bisika acha bomoto pona mboka ekende liboso. Suivons d'abord mon amboka Christian Bosembena Israël Mutombo. Ndenge bali ko fia ko la katumbi. Katumbi ko tala te, katumbi ko tala te. Tolandai. Il a agi en tant que qui? En tant qu'opposant. Il a agi en tant qu'opposant. Mais membre de l'Union Sacrée. Oui, il a agi en tant qu'opposant. Moïse Katumbi a dû faire partir dans la cinquième colonne. Na kati ya Union Sacrée. C'est la cinquième colonne et Union Sacrée. Moïse Katumbi agit en tant que Moutalignac postulé dans la présidence. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas, dans une obsession, il y a pouvoir, mais, à ça, Moutalignac comme président. Et dans le discours qu'il y en a, mais malheureusement, il y a beaucoup de fautes. Quelles sont les fautes? Tant on le dit, instrumentalisation de la justice. Mais dans son discours, il dit ceci. Il faut comme on a mboka, oh, il faut pardonner, bâton, moussoussou. C'est ce qu'il dit, hein. Il faut pas seulement apprendre à condamner, mais aussi à pardonner. Un réconciliateur. Non, ça veut dire quoi? La justice, c'est pas comme ça. Donc, ça nous montre que si Katumbi devient président de la République, on va dire adieu à la justice. Torbo Sanango. Parce que lui-même dit en tant que président, nous allons pardonner certaines personnes et nous allons condamner d'autres. Ça veut dire quoi? Pardonner les uns et condamner les autres. Ça veut dire tout simplement que lorsque Katumbi sera président, on oublie la justice. Katumbi dit que ligne rouge, ce qui a abordé question, on a programmé question dans l'Assemblée nationale, ligne rouge les a franchis à l'Union Sacrée. Vous avez la preuve que si demain il devient président de la République, Bosolo ou Kangi. Parce que Marambozo le Bwana, Sama, Ogolobango Soubongote. Magambonga la Nobrana TV, on a Ogolobango Soubongote. Donc, le jour où il devient président, c'est foutu. Plus personne ne parlera à son encontre. Comment vous imaginez un individu Kotia ultimatum na une institution de la République pour dire à ces députés là, donc ça dit n'importe quel député, il y a Moïse Katumbi, pour de vrai, je démissionne immédiatement, je quitte le parti, parce que c'est une insulte aux députés. Il dit aux députés, vous n'avez pas le droit de débattre. Oh, donc ça dit vous nous interdisez même un débat institutionnel. On ne fait pas ce débat dans la rue, on fait le débat dans les institutions. Et lui il dit pas question. Ça veut dire, bon, mais quand même pas qu'on réfléchir. Écoutez, Israël, c'est une absurdité totale. On n'imagine pas comme ça. On peut par contre donner, sans qu'on ait le pouvoir, député Bélé Makassi, la bonne bataille, c'est une bataille républicaine au sein des institutions. Moïse Katumbi devrait demander à ses députés, faites bloc pour que l'on ait l'écarté. Et il peut aller voir les gens du FCC comme Bakomi, moi, bien ensemble, Bakomi, déjà ensemble. Probable rapprochement. Il y a déjà un rapprochement. Un rapprochement entre ensemble et le Moïse. Si, bien sûr. Il a fait beaucoup d'appels des pieds. Tu as entendu, non? Il a un problème là. Non, Kabila, il n'a jamais de problème avec Kabila. Mais c'était l'entourage de Kabila. Or, lui-même était l'entourage de Kabila. Je ne comprends pas. Il avait de problème avec lui-même, en fait. Parce que lui-même était l'entourage de Kabila. Et lui-même a même dit qu'il était géniteur de la fonction de Kabila. Alors, je ne sais pas qui est qui. Bon, là, il y en a qui Judas, là, il y en a qui. Mais Moïse est le seul. Il est le seul où les rares personnes ont eu le courage d'entrer les mêmes Kabila pour la troisième penalty. Non, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit non à Kabila. Bon, G7, Bouyaki. Mais le mouvement a été conduit par Katumbi. Oui, c'est normal, non? C'est tout à fait normal. Quand tu un leader. Oui, quand tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, tu pars. Il n'y a pas de problème. Et moi, c'est pourquoi on dénonce le même courage, voilà, à Salomon Psycho, non? Qu'il quitte officiellement l'Union Sacrée au lieu de rester un pied dedans, un pied dedans. Il arrête de menacer. Non. En fait, bon, mon promesse à que. Ce qui Kabila ou Mélan a pouvoir, c'est parce que les gens avaient cru qu'il était bête. 18 ans. Kabila, c'est là qui est erreur. Il a considéré que Fachi était une personne qu'on pouvait manipuler à tout moment. Aujourd'hui, Kabila se retrouve, Place des Autres se retrouve, FCC écroulé. Si Katumbi pense que Fachi peut être manipulé ou manipulable, il commet l'erreur au Baninga Bakometa qui avant. Alors, on se retrouvait dans une mauvaise posture. Parce que là, il faut le dire. Quand on ouvre, on va dans un front politique. Et qu'on ouvre tout Arménion, c'est comme Amabé, hein? Parce que le dossier stupide, c'est la nante. Bablo, le document de Bélé, c'est la nante. Classer un dossier sans suite, ce n'est pas éteindre le dossier. Il est peut-être classé, il peut se réveiller après, donc on ne sait jamais. Donc c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, quand on dit des choses, il faut te bélé autour de l'eau. C'est très important. Mais, pire encore, lorsque Katumbi dit que Kalev, John Numbi, Basaba innocent, va subir acharnement. Mais Katumbi insulte Muyambo. Muyambo a dit que Kalev a torturé Nanzoto.
Mouyambo ne jure que sur la condamnation de Kalev. Aujourd'hui, que Katumbi dise des propos comme ça, je sais que Mouyambo doit être mal à l'aise là où il se trouve. Bon, qu'est-ce que Katumbi va dire à la femme de, Madame Tchebea, qui est tombée, l'homme est tombé comme ça, les enfants sont restés orphelins. Le principal suspect aujourd'hui, parce que John moi, Numbi. Nga juriste, Nabi suspect. Le principal suspect d'un militaire, c'est Monsieur Numbi. Est-ce que Monsieur Katumbi peut regarder la femme de Monsieur Tchebea et lui dire que non, ce monsieur-là, Numbi, n'est pas poursuivi. Le Monsieur Numbi est justement avec un acharnement. Non, le pardon, il peut mériter le pardon. Tout le monde peut mériter le pardon. Mais dire que c'est de l'acharnement, c'est compliqué. Et puis au moins que pourquoi tous les noms Monsieur Katumbi, Tangi, Bazaka, Kabaka, Tangi. Pourquoi? Pourquoi Kalev? Pourquoi John Numbi? Pourquoi Betty Solo et Mouyamou Kendite? Pourquoi Betty Kaka Masolo Bakatangé? Pourquoi Betty Masolo Bakongate? Pourquoi Betty Masolo Makilate? Pourquoi Betty Masolo Bakmoussouté? Ici, Mata Tampogno, toujours pour un peu, on va dire, pour crédibiliser des marches. Donc, il y a Luki Bato, tout le problème. La justice, Azubango Lobby, Batouana va subir acharnement. Est-ce que le régime actuel n'a pas peur des Katumbi aux élections 2023? Ça, j'en sais rien, mais pour avoir peur de quelqu'un, est-ce que si Félix Tshisekedi avait vraiment peur de Katumbi, il allait passer passeport à son Mboko? Parce que l'histoire de Katumbi était close, il était resté à l'extérieur, il pouvait rester là longtemps. Si Félix Tshisekedi a fait que Katumbi a son Mboko, c'est parce qu'il a voulu respecter sa parole. Mouninga Tobunda Kinayo, Tosa Kinayo pendant longtemps à l'opposition. Alors, on a eu le pouvoir, Zonga, non, on a dit pourquoi, ben, exilé, bah, Kozala, yo Zonga. Mais c'est ça, est-ce que quelqu'un qui a, si tu constitues une menace pour moi, est-ce que dans Zonga, on a même pas. Alors, on a Katumbi, sur le bien en contexte, il y a la guerre à bas intérêt. Parce que Katumbi n'est pas resté longtemps à l'opposition, ça, il faut le savoir. Quand nous sommes arrivés, vous voyez bien que Stéphane, soit au sali réflexion, au salon de Bandelia par rapport à la gestion, il y a Kabila, puisque nous parlons aujourd'hui de la gestion de Kabila. Nous la comparons, sa gestion, et actuellement avec la gestion de Félix Tshisekedi. Pourquoi faire ces comparaisons? Scientifiquement, c'est très bien de faire des études comparatives. Même lorsque quelqu'un est nommé directeur général d'une entreprise, il fait ce qu'on attend par un état de lieu. Il doit d'abord savoir ce que son prédécesseur a laissé, voir est-ce qu'il y a eu des choses qui ont avancé. On ne dit pas que le prédécesseur Rokoti Kanyemabe à côté qu'il y a Boulam, à côté qu'il y a Mabé, il fait un état de lieu, il présente un état de lieu, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ça, 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 avec les audits, voilà, voilà ça, et maintenant il commence à travailler. Ceux-là qui, aujourd'hui, combattent les régimes Félix Tshisekedi, c'est plus que Bazalaki n'a un système moko bien structuré, où il m'a dit que ça, la Bangouba s'est retrouvée. Il s'est posé, c'est jusqu'aujourd'hui, puisque Félix Tshisekedi a vraiment un grand défi à pouvoir relever. Il y a un problème de l'éthique au Congo. L'éthique et la déontologie. Nous avons un problème de la morale au Congo et nous avons un problème des valeurs. C'est ce qui manque aux Congolais. C'est ce qui a manqué au régime Kabila. C'était un régime de gens qui travaillaient. Oui, travaillaient. Mais il ne travaillait pas pour la nation. Le problème, ce n'était pas la nation. En fait, cette nation, d'ailleurs, elle n'existait pas. Le problème, c'était d'abord travailler pour eux, primo moi. Et ma famille, c'est Gundo, la nation. Alors que la nation ne recevait absolument rien. Une si grande nation comme la RDC, une très grande nation qui a à peu près plus de 100 millions d'habitants, mais... Et également avec des immenses ressources naturelles que nous possédons qu'à chaque moment que nous citons ici, mais qui a vécu dans une pauvreté extravagante et on ne sait même pas les qualifier en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de l'éthique et de la déontologie. Il y a eu un problème des valeurs et de la morale. Et aujourd'hui, quand vous voyez les régimes Félix Tshisekedi qui vient, qui connaissait déjà le système qui a été implanté puisqu'il fit dans l'opposition, son champ de bataille vient pour l'éducation. En fait, Félix Tshisekedi est en train d'éduquer. Les gens n'en arrivent pas à comprendre. Moi, je connais la famille à bien. Oh, ayebi ko yibate. Ayebi ko bomate. Atangi na ba école à bien. Azuba nation, il y a civisme. L'éducation citoyenne. Le respect de bien l'État.
puisque l'éducation citoyenne, les SM, aujourd'hui, alors que c'est un cours qui instruit. C'est là où j'ai parlé de l'éthique, de la déontologie, de valeurs et morales. À maîtriser un bien. Cet enfant, quand vous le mettez directeur général d'une entreprise, cet enfant, quand vous le mettez gestionnaire quelque part, c'est quelqu'un qui a des principes. En fait, des gens pareils, dictateur. Vous savez, quand vous travaillez avec un blanc qui a eu à faire des belles études, j'ai l'impression qu'il a pile là d'entreprendre. Oui. Qui a fait de belles études, un blanc, et que vous travaillez avec lui, vous verrez que ce blanc est trop exigeant et que ce blanc, il surveille tout, il harmonise tout, il est discipliné. Et vous, quelque part, ça vous dérange sa manière de faire les choses. Vous pensez que c'est il en fait de trop. Oh, c'est comme ça qu'il a appris de travailler. Il est instruit. Pour lui, quand il sait que c'est un dollar, c'est pour l'entreprise, difficile de pouvoir déplacer ces un dollar. Il sait que c'est pour l'entreprise. Ça doit être affecté dans ça, dans ça, dans ça. Alors que nous, on n'est pas habitué dans ça. Pourquoi? C'est pas simplement sur les régimes Kabila. Depuis les régimes de Mobutu, rentrons un peu en arrière. Régime au moins à Kasavubu où on avait quand même vu, il faut le dire, une bonne gestion de départ, puisque Kasavubu, c'était quelqu'un instruit, il faut le dire, c'était quelqu'un éduqué. Tout autour de lui, un ancien premier ministre, Lumumba, quelqu'un qui était instruit, éduqué, qui défendait aussi les valeurs de la République. Mais quand vous prenez les régimes Mobutu, Mobutu a dirigé pendant un certain moment où il y avait quand même, il faut dire qu'il y avait des avancées quelque part, mais à un certain moment, après sa réalisation, quand on confie la République démocratique du Congo entre les mains des Zaïrois, c'est-à-dire Mobutu prend sa famille, prend ses amis, il va leur donner la gestion du Zaïr. Alors maintenant, là, ça devient, les Zaïrs deviennent une propriété privée des individus. On met de côté le blanc, on les chasse, puisque après avoir consulté Mao Zedong, le retour à l'authenticité, alors que ce n'était pas, pas une chose mauvaise, ces retours à l'authenticité. Mais sauf que, à ces moments, le Zaïre, les Zaïrois n'étaient pas préparés, civiquement, s'il faut le dire, moralement, à gérer leur pays. Alors, lorsqu'on leur donne ces pouvoirs-là, ils vont s'accamparer, ils vont faire de tout ce qu'ils pouvaient faire, ils vont détruire le Zaïre, ils vont détruire le Congo. Mouzé vient. Il va se battre pour récupérer les pouvoirs et il continue dans la logique. Il s'approprie même des entreprises au Congo. Il fait des ventes comme il veut. Il s'accampare de tout alors qu'il avait signé des contrats avec des ennemis du Congo, le Rwanda, les Burundais et tout ça. Il les a promis certaines choses et il va se retourner contre eux et il va se lancer dans une guerre. Et il dit clairement que la guerre sera longue et populaire, sera ramenée d'où elle provient pendant qu'il a eu des conflits. Et lui maintenant va s'approprier. Et là maintenant, il crée même des conflits avec certaines nations, dont la France, il faut le dire. La France a eu des problèmes avec la RDC sous Mouzé Laurent-Désiré Kabila. La Belgique en a eu le problème. Et également les États-Unis, le complot est préparé au niveau de la communauté internationale, etc. Et voilà, on va abattre. Et les pays continuent. On donne maintenant ça à un monsieur Kabila. Et ce monsieur Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Kabila va lui, entre guillemets, pardonner tout le monde. C'est là où Katumbi voulait nous amener. Il va pardonner tout le monde. Il va faire appel à tous les Mobutistes, à tous les Kabilistes, de pouvoir être avec lui sous prétexte d'une cohésion nationale. C'est là où on viendra sacrifier les Congos, on viendra hypothéquer les Congos. Il y a maintenant une gestion opaque, une gestion calamiteuse, une gestion mensongère, et c'est par là que tout est détruit. Prenez les régimes Kabila, prenez les régimes Mobutu, on amène toutes ces personnes avec Kabila. Pendant qu'un Kabila à l'époque, qui ne savait ni lire, ni écrire, qui ne connaissait ni les ABC de la gestion, qui ne connaissait même pas la définition de la science politique, qui ne connaissait même pas la définition de la gestion, qui ne connaissait même pas les concepts économiques ou les concepts sécuritaires, il n'en savait rien. Quelqu'un qu'on a appris comment marcher, la tapis rouge et tout ça, il n'en savait rien. Il va être dirigé par tous ces voleurs qui ont été là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'encamparer encore une fois de plus de la richesse du Congo. Et on va encore piller le Congo à telle enseigne qu'aujourd'hui, Kabila sort du pouvoir, il quitte le pouvoir, il a plus de 15 milliards de dollars comme étant, ses fortunes, il faut le dire, et il devient plus riche que le Congo.
Et il insulte encore le Congo en disant que le Congo m'a tout donné. C'est comme si ça avait ouvrage, que le Congo m'a tout donné. Et c'est que j'ai appris, j'ai réussi du Congo. J'ai la passion pour le Congo. Regardez tout ce qui a été détruit. La morale, l'éthique a été détruite. Et vous avez quelqu'un, Félix Tshisekedi, qui arrive dans un système pareil, où on met Kabila des côtés. Oui, Kabila est parti. L'FCC, que je ne veux pas revenir dans cette coalition qui a créé le problème, c'est parti. Mais maintenant, le problème se pose. C'est pas simplement déboulonner les systèmes de Kabila comme Félix Tshisekedi l'a fait. Maintenant, c'est maintenant l'enseignement, l'instruction, en fait, la manière dont de changer le comportement des Congolais. Puisque pour lancer un nouveau système. Puisque ce que nous vivons aujourd'hui, au Bakangi X, tout c'est pelaté. Au Bakangi X, n'en faisons pas de publicité comme ci, comme ça. Non! C'est une honte pour nous, pour nos enfants, quand ils voient de tels parents. C'est une honte pour nous. C'est une honte, n'en faisons pas de publicité, c'est regrettable pour nous. Même, c'est vrai que c'est un renouvellement d'une gestion. Il faut l'appeler ainsi. Moi, je n'ai pas appelé ça renouvellement de la classe politique. Très bien. Merci pour ce qui est venu. J'appelle ça les renouvellements de la classe politique. Or, les renouvellements de la classe politique n'est pas simplement les faits d'enlever Kikaya de maître Jean-Marc Gabon. Non. Les renouvellements de la classe politique, c'est le fait d'incliquer les personnes, le civisme et la morale. Puisque quand nous voyons aujourd'hui les gens voler, vous avez même un ancien ministre Willy Bakonga qui a volé, mais qui va fuir avec son fils à côté de lui. Donc il va même apprendre à son fils, je suis devenu ce que je suis devenu suite à ces vols. Donc si moi j'ai parti après moi, il faut continuer dans cette allure, il faut voler. C'est comme ça. Oyo, quelqu'un m'a dit, à ce que c'est un lobby, n'a beaucoup aussi nommé au ministre et comme lui, pauvre, c'est que ma locaille. T'as la concept, t'as la réflexion. C'est que ma locaille. Moutoumoura Betelanga l'histoire, pour chuter, je vais arriver à la fin. À l'obi, Congolais Morano travaille dans l'entreprise à la Chinois. Il travaillait dans l'entreprise à la Chinois et tout ça. Magasin, et ça, là, quand ça va bloco et tout. Pas à mon carton Moro et Vimba, à fond, on a un carton bouillé. Parce que, bah, nous, on a un carton bouillé, bah, dollar est tondi plein. Ah, à mon yango. À ta la gauche, à ta la droite, masse, moi, j'ai bien la tête. Ah, mon cher, Alexis, oh, t'es mon cher, il y a Tobé d'abord. Non, je ne peux jamais faire ça. Akei, na cartorana, Akei, à remettre chinois. J'ai trouvé ça pessé. Ma soeur, il y a un peu de bateau solo. Il y a un kobongate, ouza zoba, kobongate. On a commencé à tout parler. Pour certaines personnes, ils disent que le monsieur a mal fait. Non! Le monsieur n'a pas mal fait puisque il travaille dans une entreprise à bateau. Même si on les payait, on fait un bon. Il travaille dans une entreprise à Batou. L'argent qu'il trouve, ce n'est pas son argent. Voilà quelqu'un qui a la morale, qui l'éthique. C'est quelqu'un pareil. Il n'est pas Azan, 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 Azan. Vous verrez que c'est une question. C'est Azan, 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 logique. Ce qui manque au Congo, c'est ça. Et donc, le régime Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, la patrie financière, pour moi, c'est une manière de rééduquer les Congolais. À la nouvelle classe politique qui vient. Je l'avais dit, je vais me répéter. J'ai dit une chose, peut-être que les gens vont comprendre toutes les vidéos que nous avions faites. Dans le Baki, régime, il y a FCC Cash, ils allaient régime, gouvernement FCC Cash, il y a Ilunga Ilu Kamba, ils allaient gouvernement et bas stagiaire. Je l'avais dit. Je l'ai dit, le deuxième gouvernement viendra, ça sera le gouvernement des prisonniers. Et le troisième gouvernement qui viendrait, retenez ça, ça sera un gouvernement des renouvellements de la classe politique pour une nouvelle génération. Très bien. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba dit encore qu'on vole toujours. Ouais. Où est la différence? Merci beaucoup, Koulout. Dans la période de Kabila, batu bayibi, bake bache na poto, mundela kangi mbongo wana. Et batongo ba ministre, batu tutu e konso. Bazongi awa, IGF koutu, ako chela zolo wapi, procureur ako chela monoko wapi. Et les procureurs ne pouvaient même pas se saisir de dossier ne soit. Tout le monde qui a été cité dans ma Kamboya, gel et biloko. Personne n'a bangou ne soit. Atikala jamais vous allez inquiéter par le procureur général Kabange à l'époque. Félix Kabange Numbia, c'était ça. Oui. Personne n'a jamais été inquiété. Est-ce que vous me comprenez? Na batou ne soit. Personne n'a jamais été inquiété. Bazala bango à l'aise, mobimba.
tout le monde au babana ko yiba na gouvernement ya Kabila oyibi na ministère des hydrocarbures kolongola ya Kabila ko longola wa ko longola le ministère des hydrocarbures a tchona ministère enseignement donc lo yibi ko to mingi va permettre yo longwa kuna yaka ko to une façon de dire auto yibi mingi yiba pe ko to ndam. Ce qui a monné que bato ba komi ko lemba mais tout ça kami yibi so ça kami yibi wana yoki bato na yo ba chaka ba ministre wana ba le bon yo vandana na tindela biso mutu mususu e muto ba kutinda wana akubeba na autorité na ye yo lokola yaki le boso ozaka na influence makasi ba koloka ba diviser yo na mutu wana po ba diviser influence na yo on l'a fait contre Bahati ba diviser Bahati na koko nyangi Koko nyangi ba pesi poa alungwe na parti bisika bana sur ça ba cotisation na été mais alobi je sers toujours Joseph Kabila nanya robotre mandat na ye zo servir Kabila là-bas la loi était Joseph Kabila c'est lui qui sert Joseph Kabila et dans les normes avec et dans le bon avec les lois du pays c'est lui qui ne sert pas Joseph Kabila et contre le pays. C'était ça la loi, il y a régime Kabila. Lorsque tu sers Joseph, tu es dans les bons. Et tous ces gens-là, personne n'a jamais été inquiété par la justice. À l'unique différence aujourd'hui sous Félix Tshisekedi, tu travailles avec Félix Tshisekedi, tu soutiens Félix Tshisekedi, tu es de la famille politique avec Félix Tshisekedi, tu es son frère, tu es son ami. Mais ce qui est Yibi, Boloko. Pour comprendre la différence, pour mal éduqué. Les gens qui volent sont déjà mal éduqués. Puisque comment ça est là tout est. C'est un problème d'éducation. Mon yibi, c'est une personne mal éduquée. Azo yeba ko différencier le quoi tout est. Mbongo ya l'état yo yibi. Tu es mal éduqué. Mon yibi ça. Pini. Mon yibi ya kala ezalaki mais non impini. La base de différence entre toi et Kiango et Salim Malam Mingi Koleka. Médiocrité dans la malédiction, il y a Congo, il y a qui régime, il y a Kabila, et ça défile le pas Félix Tshisekedi. Il y a un pour relever Yango. La base que toi qui penses ou qui dis que Félix Kabila doit revenir, juridiquement impossible, politiquement il est déjà mort, et sociologiquement, peuple ou Arujoko pour Kabila, il y a des sociétés. On regarde, il y a un mince dans le Tikoloba. Nzambe abate la bisonyos. À très bientôt.